Eh oui, comme ça on commence un nouvel épisode de Parasite Eve. Avec le suspense de savoir qui y a-t-il derrière cette porte avec la clé qu'on a mis un quart d'heure à chercher. Notre ami. Elle ne bouge plus. Put your hand out. Je suis Mélissa. Non. Je suis un monstre. Je suis Ève. Mon corps me brûle. Ah oui, quel talent d'acteur. Mais moi, j'ai pas pris autant de comprimés. Voilà, c'est ça aussi, il faut le dire. C'est à noter. Notre domination sur les noyaux est enfin complète. Comment? Thématique. Oh, calme-toi bien. Non mais lâche le piano. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Trop de médicaments tue les médicaments. Une fois encore. Bon bah, nouveau boss, le jour où les mitochondries seront libérées est arrivé. Ouais, mais les hypochondriaques, on s'en fout un peu, quoi, laisse-les de côté. Eh ouais, moi j'ai pas dormi toute ma vie. J'ai intérêt de rester sur mes gardes. Alors, double laser, voilà, je m'en doutais. Faut essayer de rester au milieu. Oh, belle esquive. Ah, double miss. C'est chaud parce que j'avais pas l'angle. Allez, on a fait un crit. Si on ne pas trop bouger. Et j'ai remarqué aussi que près d'elle, le faisceau était plus petit. Mais il semblerait que tu aies besoin d'un peu plus de temps. Avant que tes mitochondries ne soient complètement libres. Ah oui, libérez-vous. Mitochondries, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Qu'est-ce que... Quel est cet endroit, serait-ce? Est-ce la fillette que j'ai vue? Non, c'est impossible. Docteur Delamore. Ce médecin. Attends. Mais je le connais. C'est celui qui m'a enlevé l'appendicite. Libérer les mitochondries. Les mitochondriaques. Déconnez pas, les gars. On va fouiller vite fait au piano, mais j'imagine qu'il n'y a plus rien. Un truc qui a brûlé, encore un trou. Où est-elle partie? Descendre, pas maintenant. Un jeu où tu descends dans les trous. Waouh. Quel endroit splendide caché dans les égouts. Où sommes-nous? Forcément. Ah ouais, quand même. Me demande s'ils peuvent se tirer dessus. Ce serait fandard, ça. Oh, belle esquive. Ok, on est bon.
Bon, ça va, j'ai utilisé 6 munitions. J'en ai utilisé plus sur le boss, quoi, au final. C'est quoi ce bruit? Waouh! Les rats ont évolué, alors je parle pas du crapaud. J'ai pas confiance au crapaud. C'est d'abord lui. Mais j'ai pas confiance au crapaud. Voilà, je m'en doutais un coup de langue. Alors j'imagine que lui il va falloir un peu plus. Alors c'est un jeu où il faut être très mobile. Tout est dans le placement. Ah, il m'a touché ce petit con. Merde, il est pas mort. Donc en gros, j'ai pas intérêt de me rater. Faut que je reste vraiment tout le temps en mouvement. Non mais, voilà. Ok, on est bon. On a gagné un niveau. Ah, la blinde de munitions, ça c'est bien. Je vais regarder un peu niveau vie. Ouais, non, pas du tout même. Donc oui, bien que je prenne un médicament. Je voulais vérifier si la prise de niveau remettait les PV ou pas. Ok, donc de toute façon il me reste 4 médicaments. Oh, le gilet N, il apparaît ici. Je suis pas censé l'avoir mis dans le coffre normalement. Il me reste 72 munitions, il me manque 10 PV. Alors les PV pour l'instant je me rappelle pas du tout à quoi ils servent. Ça c'est pour ranger les objets, ok. Il y a un coffre ici. Alors je me demande si on peut monter, il y a l'air d'avoir une sortie là-bas. Oh, un nouveau gun. Il a l'air pas mal ce gun. On va le comparer en termes d'attaque, il a l'air d'utiliser les mêmes. Ah oui, rien à voir, on peut tirer un peu plus loin. Même nombre de taille de. Comment on appelle ça? Ça me vient pas, c'est horrible. De réservoir en gros, pour mettre les munitions. De chargeur, voilà. Je ne trouvais plus le mot, et 5 de plus en attaque. Bon, on va équiper, hein. Je pense que ça me paraît requis. Et donc, on peut monter. Alors, où est-ce que ça mène? Ça mène à rien du tout, à part se trouver dans un endroit très comprimé. Capter un truc. Un niveau en plus, cool. Vie. Qu'est-ce que vie? Je ne m'en rappelle point. Est-ce que ça met plus de vie, tiens? Non, parce qu'on peut pas. Redonne la vie. Donc si je meurs, je prends mes potions moi-même. Alors en bas, il y a l'air d'avoir un coffre de chaque côté. Par contre, le côté droit est un peu plus dégueulasse. Je tiens à le noter. Tu es la petite fille que j'ai vue à l'opéra. Tu t'es perdue? Ah, mais celle qui chouine en fait, j'avais même pas capté que c'était ça le bruit. Alors elle va dans la grille à gauche. Attends, petite, ne pars pas. Ah. Sérieux, quoi. Lâcheuse. Ah, mais il y a des grilles là-bas, en fait. Donc je peux pas aller plus loin.
Moi, j'étais attiré par la lumière. Il y a un coffre là. Un coffre ça? Médicaments. Bon, pour l'instant, j'ai encore de la place. Donc à droite aussi, il doit y en avoir. Ah oui, il est là, je le vois. Ah, votre inventaire est plein. Ça dépend, qu'est-ce qu'il me donne. Ah, un attaque plus 1. Donc ouais, ça valait le coup de supprimer le gilet. Et pour gagner une place, on va se mettre l'attaque plus 1 sur notre nouveau gun. Voilà, comme ça on a une place. Donc maintenant il nous manque 15 PV. Bon, en tout cas pour l'instant la formule reprend, hein. Même quasiment 20 ans après. Wow. Mais non, calme-toi bien. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais prendre un peu de place. Saloperie. Non, ton boule. Allez, t'as pris 3 crits dans ta face, toi. Me fais pas chier. Alors, médicaments, j'en ai 6, ouais, donc c'est good. Comme ça, je suis full vie. Pas perdant. Merde, j'appuie comme ça au pif, moi. Sans lire. Je suis un grand malade. Ah, on a retrouvé Eve. Toujours aussi monstrueuse. Arrête-toi immédiatement. Ah, mon corps, il me brûle à nouveau. Sûrement une bactérie qui traîne dans l'eau des égouts. Alors comme ça, elle va me faire la peau toute seule comme une grande. De toute façon, quiconque t'aurait accompagné aurait pris feu, n'est-ce pas? Tous, sauf toi, tu es. Et dis-moi, Eve, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi suis-je la seule? Tu le découvriras tôt ou tard. Et même si toi tu ne comprends pas, ne t'en fais pas. Tes mitochondries, elles, comprennent. Elles ont toujours su. Je vais te laisser un peu de temps, du temps pour réfléchir et évoluer. Puis le jour viendra où tu t'éveilleras. Eh ben, je me suis raté, voilà, des conneries, y en a marre. Eve de merde. Elle parle trop, elle met trop de points de suspension. Connasse, va. Elle est trop dégueulasse, elle fait des trucs dégueulasses. Ah ouais, non, mais moi je fais comment ça? La meuf, elle shit. Ah voilà, me laisser avec des crapauds ou je ne sais quoi. Non, avec un boss carrément. Ah ouais, carrément. Ça a l'air d'être bien ça. Un croco, je ne sais quoi. Un croco oiseau. Ah ouais, il a l'air super vénère le mec. Ah, il a pas l'air de déconner. Comment ça, il y a deux cibles? Fou de ma gueule, lui. Attends, il compte pour deux, lui? Dites, il se moque de moi.
Alors j'imagine que façon FF ou autre, on a deux parties de son corps. Non, calme-toi bien. Aïe. Eh mince, je m'approche. Eh ouais, donc il y a la tête et la queue. Ouch. Ah, la grognasse, elle avait pas fini. Peut-être prendre bientôt de la vie. Ouch. Ah ouais, non, mais elle fait mal sa queue. Comment on fait? C'est le moment de se droguer. Ça fait encore plus mal. Merde, j'ai fait un miss. Eh, mais il m'a déjà fumé ma barre de vie. Moi, je me suis fait croquer. Qu'est-ce qu'il fait? Que se passe-t-il? Oh, moi je reste pas là. Alors on dirait qu'il y a plus sa queue. C'était ça le changement. Il a plus que sa gueule. S'il peut la fermer un peu, ça m'arrangerait bien. Wow. Par contre là ouais, il va peut-être falloir prendre un médicament si on veut pas crever jeune. Mais bon, mine de rien, il a pas l'air de rigoler. Alors ça a l'air d'être le premier vrai boss. Yeah. Bon, ça va, il est pas spécialement dur. La parasite énergie a évolué, torpeur, ralentit l'attaque de l'ennemi. Gilet Kawan. Bah, prenons, hein. J'imagine que ça doit servir si on a ça sur nous. Alors, par contre, faut juste comprendre à quoi ça sert. Quand je m'éveillerai, que suis-je censé comprendre, Eve? Tout à fait, on est là pour le découvrir en même temps. Voici la ressortie, ah, il y a la télé, cool. Et nous sommes en direct du Carnegie Hall qui est devenu en un instant la scène d'un chaos atroce, dit-il avec le sourire. Mademoiselle, vous êtes la seule rescapée de cette horrible tragédie, exact. Jusqu'à présent, cette théorie sur la combustion ne fut admise que par quelques illuminés. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Ah, v'là commissaire Gordon. D'où toutes les nuits de l'année, il a fallu que cet incident se produise la veille de Noël. Je voudrais, en tant que représentant des citoyens de cette ville, vous interviewer en exclusivité. Ou juste fermer ta gueule, ce serait sympa. Bam, voilà. Oh, le péchon dans le dos. Ah, ça c'était beau. Filmé en plus, ça va passer à la télé. Ah, mais vous êtes dingue. Jimmy, t'as filmé ça, j'espère. Dégage, mec. Ah, mais les hommes qui parlent un peu, ils s'appellent tous hommes. Daniel? Ah non, il a acheté un nom. Désolé, Aya, je suis à la bourre. Bah, si tu le dis. Ah, dans une belle scène de voiture. Comment tu te sens, Aya? C'est un beau bordel ce qui s'est passé là-bas, hein? Oui, oh, mon rancard. Non, mais la meuf, elle pense encore à ça. Il y a des mecs et tout, ils se sont fait carboniser. Peut-être des bébés dans le public, il y avait. Un flic m'a raconté que ton petit ami est sorti de la queue entre les jambes. Je suis désolé que ton rendez-vous se soit mal passé. Ouais, donc en fait, ça comptait pas plus que ça pour elle. Non, tu ne comprends pas.
Je suis sorti avec lui parce qu'il n'arrêtait pas de me saouler pour qu'on sorte ensemble. Ouais, mais franchement, l'opéra, j'aurais tout vu. Pourquoi l'opéra? Ça fait partie des trucs branchés maintenant? Je sais pas, j'ai vu une publicité dans le journal, j'ai juste jeté un œil et... Padaboum. Tu vas pas me faire croire que tu t'es trouvé là par hasard. Ou alors aurais-tu enfin chopé l'instinct du flic? L'instinct. Daniel, tu ne devrais pas être, ne pas, tu ne devrais pas être avec ton fils. Ouh là, ça devient dur. Après tout, c'est la veille de Noël. Il sait que son père est flic. Mon fils me comprend. Et bref, pour changer de sujet, des personnes sur place m'ont raconté ce qui s'est passé. Et dis donc, tu parles d'un sacré bazar, tu trouves pas? Ouais, mais ils ont pas vu ce qui se passait dans les tréfonds de cette salle d'opéra. Mitochondrie, mitochondrie. Symbiose. Quand suis-je allé dans cet hôpital? Eh, Aya, tu dors? Bah, je peux pas t'en vouloir, après tout ce que tu as vécu ce soir. Ouais, laisse-la un peu se reposer quand même, la meuf elle s'est fait traumatiser. Sérieusement. Wow, la map, par contre, elle pique un peu les yeux. Alors, tout a commencé après cet incident, 6 jours qui allaient devenir un véritable cauchemar pour tous. Certaines personnes auront rapidement tout oublié et la vie reprendra son cours normal. Moi, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. C'était de l'horreur à l'état pur. Cependant, ce furent aussi 6 jours remplis de souvenirs familiers. Ah ouais, non, mais c'est de toute beauté la Statue de la Liberté que vous pouvez voir sur votre droite en vue hélicoptère. Voilà, on est en plein New York. Alors, deuxième jour, fusionne. Bon, bien sûr, on va enregistrer. Mine de rien. Bon, on a progressé, on est level 7 avec 92 points de vie. Ah, commissariat. On voit le gros bordel habituel des commissariats américains qu'on voit dans les séries ou autres. Eh, comment ça va, Aya? Tu devrais te reposer un peu. J'aimerais bien, mais je suis la seule à savoir ce qui s'est passé hier soir. J'ai essayé de récolter quelques infos sur Melissa. Elle n'a aucun proche et pas d'amis intimes. On sait aussi qu'elle était sous médication permanente. Ouais, c'était la droguée. Le personnel de l'opéra a même affirmé être surpris de l'avoir encore capable de tenir debout sur scène. Son appart a brûlé juste après l'incident d'hier. Du coup, pas moyen d'obtenir une seule info sur ce qu'elle prenait. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire de combustion spontanée? Ce n'était pas vraiment spontané, c'était comme si on enflammait les gens. Oh, pas moi, tu vas pas me faire croire à ces trucs de perception extrasensorielle. Pourtant, c'est la meilleure description pour le moment. PES, hein? Oh ouais, d'autres. Si ce que tu dis est vrai, alors cette affaire ne va pas être une partie de plaisir. Tu as toute ma confiance, Aya. Après tout, tu es la seule témoin que nous ayons. Mais si tu comptes t'occuper d'un suspect pareil, tu devrais demander une meilleure couverture à Baker. Ouais, mais en plus c'est l'hiver, c'est Noël, couverture chauffante serait la bienvenue. Ah non, Baker, c'est le commissaire. J'ai lu votre rapport. C'est difficile à avaler, mais on ne peut pas fermer les yeux sur tous ces morts.
Je vais mobiliser tout le monde sur cette affaire. N'oubliez pas de vous préparer en conséquence. Faites donc un tour par l'armurerie et donnez cette autorisation à Torres. Il vous filera un coup de main. Yeah. Merci, mon gros. Il est bien nourri. Sûrement un petit poulet d'élevage. Sûrement à l'air pur. C'est qui, Torres? Ah non, ça, c'est Nyx. Dis ce que tu dis à vrai, donné. Ok, il se répète. Peut-être Daniel Torres? Non? Non, ils ont rien d'autre à dire. Ah merde, c'est l'enregistreur. Non, mais non. Je voulais juste fouiller, voir s'il y avait rien dans les poubelles ou sur les bureaux, moi. Je trouvais ça cool. Bon, comment on va à l'armurerie et autres Bah voilà, putain, il faut vraiment bien se mettre, quoi. Ça, c'est un peu chiant, par contre. Ça peut faire galérer pendant des heures pour rien. Alors ça c'est les vestiaires. Salut les gars, excusez-moi, je fais que passer un gilet C1. On va prendre, on verra ce que ça donne. Antipoison, je prends. Salut, ça vous dérange pas que je fouille? Aïe, tu devrais mettre ton gilet pare-balles toi aussi, on n'est jamais trop prudent. Hé, mon précieux. Putain, faut que je chour son précieux, moi, quand il sera pas là. Faut que j'aille voir ce que c'est. Alors là, on est une fliquette. L'armurerie. Je suis sûr que tu n'as pas cogné la tête hier soir, c'est juste en bas. Ok, merci, good. Ah ouais, putain, t'as plus 40 fois, ça marche pas à tous les coups. Alors ici, il y a un coffre. Non, je regarde d'abord le gilet que j'ai récupéré. Qu'est-ce que je fais, moi? Là. Alors le quin, il est un peu mieux, mais on perd en critique. Celui-là, il est un peu mieux aussi, mais on perd. On perd 3 et là, celui-là, on perd 7. Je suis pas spécialement fan. Qu'est-ce que l'auto? Celui-là, il a l'air d'être basé plus sur la paix énergie. Et il y a un truc auto dessus. Je peux pas savoir ce que c'est. On va prendre ça. Ouais, j'imagine que je peux me débarrasser des clés. Ah non, j'ai pas le droit. Putain, c'est dégueulasse ça. Bon, bah on va se débarrasser. Outils. Qu'est-ce que donc que les outils? Des munitions, ça, je suis preneur. Salut Larry. Salut, ma jolie. Lâche-moi, Wayne. Où est Torres? Ce pecno, qui sait? Bon, qu'est-ce que ça sera? Fusil à pompe, lance-roquette. Ah, on dirait que Torres a repris le dessus. Les armes ne disparaîtront jamais de ce pays avec des idiots dans ton genre. Grouille-toi de retourner à la réserve, tu es encore loin d'être prêt pour te tenir à ma place. Ok. On va se récupérer un petit MP5 alors. Petit MP5 des familles. Torres, j'ai besoin de matos.
Pour l'affaire d'hier soir, j'ai entendu dire que c'était un sacré bordel. Néanmoins, tant que les flics se serviront de leurs armes, les criminels en feront autant. C'est un cercle vicieux. Je déteste donner une arme à une jeune recrue telle que toi. Mais on m'a dit que c'était pas une affaire ordinaire. Je peux donc pas te laisser y aller de ma vie. Tu n'as plus de place pour porter le moindre équipement. Ouais, il me prend lui quelques-unes de ses affaires et va les mettre en réserve. Ouais. Vous avez quelque chose à redire, officier? Non, monsieur. Pim padaboum. Qu'est-ce que je porte? Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Attends, je peux pas lui donner, ils vont me dire. Si, c'est là-dedans. Mais non. Hey. Doit être ça, mes réserves. Alors, ça, c'est ce que je porte. La matraque, est-ce qu'elle peut me servir? Ça me prend quand même une place. Et en sachant que j'aurai pas toujours accès, vais d'abord faire ça. Merde, je voulais regarder les items. Voilà, c'est l'arme la plus puissante que je peux te laisser porter. Ouh, ça c'est pas mal, la M16. Le capitaine Baker m'a déjà prévenu. Montre-moi ton autorisation. Alors, où est-ce qu'elle est? À quoi ça sert les outils? Transfert paramètres de l'équipement. Ah, donc je peux. Ok, j'imagine un peu. Ah, moi j'aurais bien voulu me débarrasser des clés. Alors, que dois-je modifier? Ouh, c'est intéressant ça. Alors, qu'est-ce que ça augmente? Alors, il y a plus de portée. C'est vrai. Bon, voilà, ça c'est good. Alors, mais souviens-toi, les flics possèdent des armes pour se protéger. Ne laisse pas les armes te posséder. Ouais, non, mais là où je vais. Alors, pst. Ne le dis pas à Torres, mais tu peux utiliser la commande outils pour modifier tes armes. Tu peux bidouiller les paramètres de ton équipement et ajouter certains effets pour le personnaliser. Si tu veux, je peux te montrer quelques techniques de tuning plutôt cool. Ok, ça je me rappelle plus par contre qu'il y avait de l'amélioration d'armes. Ouais, sauf que ça n'a pas été traduit, ça. Pigé, crois-moi, on n'a jamais trop de puissance de feu. Bien sûr, tu ne peux pas les utiliser sans balles, donc assure-toi bien que tu as toujours la matraque, ta matraque sur toi. Juste au cas où. À présent, pourquoi ne me laisserais-tu pas les trucs dont tu n'as plus besoin? Ah, bah voilà. Ça, là, je suis d'accord. Alors, le matraque, j'ai gardé. J'ai le M16, j'ai munitions. Et j'ai mon gun. Ok. J'ai posé l'ancien flingue. Oh, la ferraille. Ok, bah c'est bon alors. On y est bon. Alors, quelle est la suite des opérations? Déjà, elle est à la virée. Là, il y a la sortie. On va voir vite fait là-bas ce que c'est. Oui, il y a un petit garçon.
Essayer de me faire les poches, je sais pas pourquoi. Eh petit, tu t'es perdu. Ben. Ah non, Ben, pardon, papa. Pas capté, c'était son père. Alors voici le fameux Ben. Ben, elle, c'est Aya, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Tiens, ah, le mec est genre, il est venu tout seul, quoi, il a 8 ans. Des tickets. Oh ouais, le concert. Désolé mon grand, mais papa est très occupé aujourd'hui, je te promets que... J'ai super vénère, très bien. Et voilà, je suis le boudé. Ben. Bon, c'est bon, raclure, là, tu vas pas faire des caprices. Sérieux, quoi. Tous les enfants ont besoin d'une mère. Ce n'est pas vrai. Mon père m'a élevé lui aussi après la mort de ma mère. Je lui en serai toujours reconnaissante. Ouais, mais en fait, la sienne est toujours en vie. Ah. Ou Ned. Ah, ça doit être une connasse, quoi. En puissance, certainement. Pardon, madame, que je ne connais pas, mais... Ah, la salle de conférence. Peut-être que je peux parler au micro. Non, je n'ai pas le droit. Rien ici. Ok, on va donc se diriger vers la sortie. C'est par là. On dirait que oui. Est-ce que j'ai le droit? Pire qu'une prison, leur truc. Désolé, seul le personnel autorisé et habilité à passer. Non, mais c'est bon, moi je suis habilité, je suis de la police. Sérieux, quoi. Appeler police secours. Ah, le retour de Fliquette. En fait, la sortie, c'est peut-être là. Peut-être pour ça, le panneau était mal placé. Ah ouais, ça, c'est l'accueil. Normalement, dans les films ou les séries, là, sur les mans, il y a les vieux criminels et les putes. Enfin, pardon, les prostituées. Excusez-moi, public. Je me lâche. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? De coltiner une affaire pareille, le jour de Noël, tu parles d'une plaie. Bon, il dit que de la merde, lui. Alors, quartier numéro 17, Carnegie Hall. Alors, la question c'est est-ce que je dois retourner là-bas enquêter? Peut-être aller revoir Daniel avant. Mais non, qu'est-ce que tu fais, toi? Cette world map de la tuerie absolue. Bon, j'imagine qu'à l'époque, ça avait dû me plaire plus que ça. Là, j'avoue que quasiment 20 ans après, forcément, soudain, c'est le drame. Alors, tu as rencontré Ben, le fils de Daniel. Daniel et sa femme ont divorcé l'année dernière. C'est juste avant que tu ne sois assigné ici. Il n'arrêtait pas de dire que tous les enfants avaient besoin d'un père. Du coup, il s'est battu avec Lorraine, son ex-femme, pour avoir la garde de Ben. Il a gagné le procès, mais avec son boulot de flic, je doute qu'il ait le temps de s'occuper de son fils. Au fait, Baker te cherche. Ah bah voilà, j'ai bien fait de revenir. Non mais lâche-moi, toi. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Non, Baker, c'est la porte ici. Par contre, je suis pas fan de la musique dans le commissariat. Ah, monsieur. C'est bon, j'ai M16, on va pouvoir tout défoncer. Vous m'avez fait demander. Oui, et nous avons une conférence de presse dans un instant et je veux que vous y assistiez.
Moi? Précisément, vous passerez sur la télévision nationale en tant que seul rescapé de cet incident. Je vois. Mais vous ne répondrez aux questions que quand je vous le demanderai. Les médias ne rentreront pas à l'occasion de nous griller au moindre faux pas. Ils arriveraient même à vous faire devenir le suspect numéro un. Vous me laisserez donc parler, compris? Oui, messieurs. Bon, allons affronter la presse. Ah, ça aussi, je me rappelais plus de ce passage. Ça m'est revenu quand il en a parlé. J'ai repensé le truc, justement la fameuse salle. Vous affirmez donc que ceci pourrait être l'œuvre d'un terroriste. Pour le moment, c'est ce que nous supposons. Et comment expliquez-vous le fait qu'un grand nombre d'officiers et de pompiers prirent feu sur place? C'est à cause de d'un produit chimique très rare et hautement inflammable, le même qui servit à démarrer le feu. Une autre question. Alors, comment expliquez-vous le fait que l'inspecteur Bréa ait survécu sans la moindre brûlure? C'est le résultat de sa grande perspicacité et de son entraînement en tant qu'inspecteur de police. C'est à elle que je pose la question. Elle a dit que mes mitochondries étaient en pleine mutation. Non, mais elle déconne pas, toi. Aïe! Vos mitochondries? Qui a dit cela? Mélissa. Non, elle a dit qu'elle s'appelait Eve. Mais d'après le rapport, Mélissa Pierce a été tuée dans les flammes. Mélissa est bien morte, son corps est maintenant contrôlé par Eve. Qui est cette Eve? Une sorte d'extraterrestre? Tout le monde, s'il vous plaît, elle est très fatiguée et nous sommes encore en train d'enquêter. Ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, dégagez, virez vos culs. Là, on va se faire taper sur les doigts. La meuf, elle a craqué, elle s'est lâchée. Aya, je vous avais dit de ne pas dire un mot. Mais je n'ai fait que dire la vérité, monsieur. Mais elle a rien compris aux médias, elle. Et voilà, je l'avais dit. Ce n'est pas le problème. À qui allez-vous faire croire ça? Tout cela ne va faire qu'attiser les médias et semer la panique. Monsieur, elle voulait simplement. C'est le maire qui appelle. C'est toujours le maire dans ces cas-là. Mais ils prennent jamais le combiné. Baker, l'appareil qui? Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, bon, passez-le moi. Ici Baker, comment? Se rencontrer? Parlez plus fort, nom d'un chien. Oui, comment? Oui, c'est d'accord. C'était un scientifique japonais, je crois. J'avais un peu de mal à comprendre son français. Il m'a ramené quelque chose comme mytho truc. Il a dit qu'il serait bientôt là. Mytho quoi? Serait-ce mitochondrie? Tu parles de ce truc qui est dans nos cellules et qui fabrique de l'énergie à partir de l'oxygène? J'ai sûrement dû apprendre ça à l'école. C'est ce que Eve avait dit. Qu'il est temps de libérer les mitochondries. Eh, je viens de lire dans les journaux qu'un chercheur bossant au musée avait écrit une nouvelle théorie à ce sujet. Ah, monsieur, j'emmène Aya pour aller poser quelques questions à ce chercheur. Allez-y, mais soyez sur place avant les médias, ça peut expliquer à ce coup de téléphone également. Oui, monsieur, allons-y, Aya. La meuf, quand elle crie, elle fait Aya! Et ouais, fallait que je place la vanne. Non, fallait que je la place. Je vais sortir la voiture, attends-moi devant le commissariat. Ok, mec. Désolé, je sais, mais il fallait que je la fasse, la vanne. Et de toute façon, bah, sur cette vanne, je vais en profiter pour faire une petite pause, le temps de me réhydrater un peu. Après cette 1 h 30 de jeu, pour reprendre certainement pour encore 1 h 30 de plus. Et donc, bah, je vous retrouve tout de suite pour la suite des aventures d'Aya Brea. Et on se retrouve d'ici 5-10 minutes maximum. À tout de suite.